j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Vous l'avez vu en fait, la vidéo précédente où je vous disais que je fermais ma boutique par manque de temps, par manque d'envie de continuer, parce que j'avais envie de passer à autre chose. Vous m'excuserez si vous entendez le ventilateur derrière, mais avec les éclairages, j'ai extrêmement chaud, donc du coup je l'ai allumé. Je suis désolée, mais vous me pardonnerez pour le bruit. Donc cette vidéo va peut-être pas s'adresser à tout le monde, donc si ça vous intéresse pas d'acheter des articles pour le système des enveloppes budgétaires, passez votre chemin, parce qu'on va faire que ça. En fait, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il y aura de disponible sur la boutique. Sur Vinted, j'ai déjà en fait quasiment tout publié et je remarque que ça intéresse fortement les gens. Et comme je vous avais dit que je vous donnerai quand même l'exclusivité au début, je me suis dit que ça serait intéressant que je vous fasse ça assez rapidement pour que il vous reste pas des miettes en fait. Donc du coup, ce que je vais proposer sur la boutique, ce sont tout ce qui me reste, c'est tout ce qui me reste en stock, des choses que j'ai pas forcément mis sur Etsy et d'autres choses que j'ai mis. Et en fait, je vais vendre tout ce qui me reste à des prix ultra intéressants. Par exemple, les mini challenges, ils vont être vendus à 20 centimes l'unité alors que normalement ils sont à 1 euro sur la boutique. Bref, vous allez voir, je vais essayer de rapidement vous montrer tout ce qu'il y aura de disponible en vous précisant un petit peu les coloris qu'il y aura. Forcément, il y a des choses, notamment les mini challenges ou les plus grands, seront pas. Ce sera pas possible en fait de vendre à l'unité, sinon ce serait impossible à gérer. Donc ce sera généralement des lots voilà. Donc la première chose que je mets en vente forcément sur la boutique, ce sont les classeurs. Ils étaient plus disponibles sur la boutique puisque je voulais refaire une fiche produit. Au final, je ne l'ai jamais faite. Donc il y a les classeurs, donc il y a ceux-là qui sont matelassés. Donc j'ai le violet, je l'ai en version blanc, en version turquoise, en version noire, et j'en ai qu'un seul en version rose. Donc s'il vous intéresse, ils sont sur la boutique, de mémoire je crois que je les ai mis à 5 euros, donc ça vaut vraiment le coup de les acheter. Normalement sur la boutique Etsy, ils étaient je crois qu'ils étaient à une vingtaine d'euros, bon avec ce qu'il y avait à l'intérieur en plus, mais 5 euros, 20 euros, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai celui-là de classeur. Alors celui-là, vous l'avez jamais vu normalement sur la boutique. Je l'avais acheté pour tester. Donc j'en ai deux comme ça, deux en version blanc. Et j'en ai également deux en version noire. Donc le noir, il est vraiment très très joli. Ensuite, au niveau des classeurs, il me reste... Il me reste une version comme ça, opaque, avec un élastique sur le côté pour la fermeture. Et j'en ai des plastiques là, avec la reliure, la couverture qui est souple. Donc en version rose gold, en version argentée et en version dorée. De mémoire, la version rose gold, j'en ai 3. L'argentée, j'en ai 2. Et la dorée, j'en ai 2 également. Et ceux-là, je crois qu'ils sont soit à 4, soit à 5 euros. Donc voilà. Pareil, ça vaut le coup au niveau des classeurs. Quelque chose que vous avez jamais vu sur la boutique, ce sont ces petites tirelires cochons. Donc elles sont en plastique et derrière, dessous il y a une petite ouverture pour ouvrir. Je trouve que c'est sympa. En fait, je voulais faire un article pour les enfants, spécialement pour les enfants. Et donc j'avais acheté ces petites tirelires. Donc il y en a une rouge, une rose, une jaune, une bleue et une turquoise. Une beige, pardon. Rose, jaune, bleu, beige et rouge. Voilà. Des petites tirelires comme ça. Vous allez retrouver également la petite tirelire en bois avec la petite fente sur le devant. Possibilité aussi de l'ouvrir en fait sur l'arrière pour accéder à ce qui est à l'intérieur. Devant, il y a une petite vitre en plastique. Donc voilà. Sympa pour pouvoir y mettre ces espèces. Ensuite, vous retrouverez également sur la boutique donc les enveloppes zippées, format A7, le format A6 et le format A5. Donc ce sera toujours des lots de 10, donc soit 10 A16, soit 10 A6, 10 A5. Et donc ça, des lots, j'en ai plusieurs. Je crois que genre celui-là, je dois en avoir une dizaine. Celui-là, pareil. Celui-là, je crois que j'en ai que 7. Donc voilà, mais il y en a normalement suffisamment pour tout le monde, j'espère. Voilà. Ensuite pareil, à des prix super intéressants. Ensuite, ce que vous allez retrouver, alors que je me le remette dans le bon sens, que du coup j'ai pris les photos pour pouvoir les mettre sur la boutique, ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez jamais vu, en tout cas pas dans ces coloris. Je l'ai proposé sous une autre version et je voulais les proposer en version aqua et en version aquarelle, et au final je les ai jamais publiés sur internet tout simplement parce que j'avais la flemme. Donc c'est le petit kit de démarrage, donc en version A6, et donc il est perforé sur le côté, vous le voyez.
est là, à glisser dans un classeur. Et donc ce kit de démarrage, il comprend la fiche pour établir son budget, donc qui est recto verso. Vous avez une fiche pour répertorier vos économies du mois, donc par semaine, un défi 5 €, un tracker challenge avec il est vide, donc vous pouvez traquer ce que vous voulez. Et enfin, donc ça c'est intercalaire, ici vous marquez le nom de la catégorie et de l'autre côté vous avez un tracker pour suivre l'ensemble des dépenses de la catégorie en question. Donc celui-là il est disponible en version donc aqua, donc c'est cet petit effet eau. Donc il y a en couleur vert, jaune, gris, rouge et bleu. Et il est aussi disponible en version aquarelle, et au niveau de l'aquarelle ce sera des couleurs gris, turquoise, bleu, fuchsia, rose, orange, rouge et jaune. Et il m'en manque une. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Le violet, je crois. Voilà. Donc, pareil, à petit prix, donc 5 €. De base, je crois qu'il était à 12 € sur la boutique. Donc, voilà, ça vaut le coup. Pour commencer, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. En fait, ce que vous faites, ce qui peut être intéressant, surtout si vous débutez, c'est de prendre un petit kit comme ça, un classeur, et puis le lot d'enveloppes qui va avec, donc des enveloppes à 6. Vous prenez un lot de 10, un kit comme ça, plus un classeur, et vous avez juste ce qu'il faut pour commencer. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite il y aura un seul lot de tracker en version aquarelle, donc c'est le lot complet. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour écouler le stock, donc tout ce qu'il me reste dans mes petits tiroirs. Donc une version aquarelle, je viens de vendre la version marbre, donc malheureusement elle ne sera pas disponible. Ensuite les mini challenges que vous connaissez comme ça, thématisés, donc ils sont disponibles en version jaune, en version rouge, vert, bleu et gris. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tous les doublons pour éviter que vous ayez deux fois la même chose, et le lot est à prendre en entier. Donc je l'ai mis à un prix super intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est 20 centimes le tracker, donc ça vaut le coup même si vous les utilisez pas tous. Par exemple, si je sais pas moi, l'Aïd ça vous intéresse pas, c'est que 20 centimes, donc franchement ça vaut le coup. Je crois que de mémoire, ils sont les kits comme ça, je crois qu'il y en a un seul où il y en a plus d'une soixantaine, et là on est à plus de 10 €, mais sinon tous les autres sont à moins de 10 € le lot. Donc franchement ça vaut le coup. Donc je rappelle, version jaune, gris, rouge, vert et bleu. Bon, de toute façon vous verrez ça sur la boutique, il y a tout le détail. Après n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour en savoir un petit peu plus si vous avez des questions. D'ailleurs je vous ai pas dit au niveau de la boutique, donc ce sera une loutre budgéteuse tout attachée, comme ça au moins on ne peut pas se tromper. Ensuite vous aurez les mini challenges comme ça, un petit peu genre billets de 20 €, les 100 enveloppes, 12 mois, 2024, etc. Et les trackers qui sont assortis. Donc là ce sera les thèmes, pareil vous les connaissez ceux-là. Au niveau des thèmes on aura du coup la version rainbow, vous avez la version unicorn, vous avez la version monstera, orchidée, cherry, anae et... je crois que je les ai tous faits. Donc voilà, pareil, comme c'est une liquidation de stock, vous n'aurez peut-être pas la collection complète. Malgré tout, elle est quand même déjà bien. Bah, vous avez franchement de quoi faire. Il y en a une trentaine généralement par lot. Donc ça vaut le coup. Si jamais vous prenez un lot comme ça, un kit entier, et que y a des challenges qui vous manquent, n'hésitez pas à me contacter sur Etsy et je vous ferai une commande personnalisée avec ceux qui vous manqueront. Et au niveau des mini challenges, vous retrouvez aussi, donc là c'était les versions un petit peu plus on va dire funky, et là c'est versions plus classiques. Pareil, on reprend le thème aqua, et donc cette fois-ci ce sera le rouge, le gris, le jaune, le bleu et le vert. Mais bon, c'est pareil, c'est le même style, pièce de 2 €, 5 €, jeu de cartes, 12 mois, jour férié, etc. Pareil, tous ces mini-challenges, vous les avez déjà vus, vous les connaissez. Donc, voilà. Une autre chose qui sera disponible sur la boutique et que je ne vous ai pas montré, et ça c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vu. Si vous avez vu, parce que moi j'utilise, mais c'est vrai que j'ai jamais publié sur la boutique, vous avez ces petites pochettes en fait pour faire un retrait à la banque. Donc ces petites pochettes sont en cuir et il y en a 3 disponibles, une marron, une noire et une rose. Donc là voilà, pas beaucoup d'exemplaires, et celle-ci il y en a encore moins, il y en a, elles sont roses, il y en a une blanche pailletée et une autre rose pailletée.
qui s'ouvre là et qui s'ouvre aussi par le dessus et le dessous, donc ça peut être intéressant. Donc pareil, pour aller chercher ces espèces à la banque, celle-ci il n'y en a que deux. Donc voilà, si vous les voulez, il faudra faire assez vite. Est-ce que j'ai fait le tour? Alors j'ai fait le tour de ce que j'ai publié sur, sur la boutique. Maintenant je voulais voir avec vous si ça pouvait vous intéresser. Donc ce que j'ai fait, c'est que, alors au niveau des mini challenges, mais ce sera la même chose pour les maxi challenges, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré en fait tous les doublons, parce que généralement quand je prépare vos commandes, je fais toujours, je faisais toujours en sorte d'en faire un petit peu plus pour essayer de prendre de l'avance. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les doublons, du coup il me reste tout ça et je peux pas m'amuser en fait à les mettre ensuite un par un sur la boutique. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa, et vous me direz si ça vous intéresse, que je fasse un petit live où ceux qui veulent commander, on peut dire par exemple que vous voulez commander un lot de 10, alors je mettrai par exemple le lot de 10 à 1,50€, 2€, et donc on les piochera au hasard, et puis on peut peut-être faire ça en live, ça peut être sympa de savoir au hasard sur quoi vous allez tomber. Donc là vraiment il y a de tout, il y a des mini challenges comme ça thématiques, il y a des challenges comme ça genre 2€, 5€, lunaire, etc. Donc je trouvais que ça pouvait être sympa, soit on se fait un live sur TikTok, soit on se fait un live sur YouTube, et par exemple vous pouvez me mettre dans les commentaires, dans l'espace discussion, moi je veux prendre deux lots de 10 et moi je vous en pioche 20 en direct, et puis on regarde un petit peu ce sur quoi vous allez tomber. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Après j'aurai des articles un petit peu random, et je pense que c'est des choses que je glisserai dans les grosses commandes, histoire de que j'ai plus rien à la maison. Voilà, histoire que ça me prenne plus de place du tout. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc je vous rappelle, la boutique ce sera c'est une loutre budgéteuse, elle est déjà en ligne, les articles sont déjà en ligne sur la boutique Vinted, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai déjà eu deux commandes là, deux grosses commandes, une à 16 et une à 50€, donc n'hésitez pas à y aller tout de suite pour pouvoir bénéficier des choses les plus intéressantes avant qu'il n'y ait plus rien. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions. Et puis voilà, je pense que... Ah si, il y a quelque chose que je voulais vous dire, j'en profite pendant que je suis dans la vidéo. Donc ma boutique Etsy va pas complètement disparaître, c'est-à-dire que tous les articles physiques, ceux qu'on envoie par la poste, vont disparaître effectivement. Par contre, ce que je vais faire, et pour ceux que ça intéresse, je laisserai en fait les articles numériques en ligne, et je vais créer un fichier qui regroupera vraiment l'ensemble des produits que je propose sur la boutique, mais en version numérique. Comme ça il vous suffira d'acheter en fait le fichier en une seule fois, et vous aurez accès à toutes les ressources que j'avais fait en physique. Par exemple tous les mini challenges, je crois que j'en ai un peu plus de 150, donc ça peut être intéressant d'avoir tout le fichier et d'imprimer quand vous avez besoin, et puis ça évitera d'avoir envoyé des choses, et surtout que les frais de port coûtent coûtent de plus en plus cher, donc voilà, ça évitera d'envoyer des choses, et vous aurez plus qu'à les imprimer, les plastifier si vous avez besoin, et puis comme ça vous permettra de changer au gré de vos envies de mini challenge. Voilà, cette fois-ci je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me poser en commentaire vos questions si vous en avez. J'espère que vous trouvez ça intéressant. J'ai vraiment fait ça dans le but déjà d'écouler mon stock, mais surtout de vous faire plaisir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont commencer le système en début d'année, ou alors d'autres qui veulent renouveler leur stock. Donc c'est le moment ou jamais. Voilà, je vous souhaite à tous une semaine remplie d'économies, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.